8h très exactement. Démarrage effectif des épreuves écrites de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC. Ici, au Collège d'enseignement général de Dantokpa, c'est le préfet du département du littoral qui a procédé au lancement officiel des épreuves. Au-delà du respect de la tradition qui voudrait que l'on vienne encourager les élèves, nous avons constaté que les épreuves ont démarré à bonne heure, que les choses ont été bien organisées et j'ai vu des enfants décontractés. C'est bien la preuve qu'ils ont été bien préparés. Nous avons eu une année paisible, sans perturbation et apparemment les enfants ont été soutenus. Monsieur le maire en a porté témoignage, de sorte que nous sommes optimistes sur les bons résultats qui seront issus de ces épreuves. Pour le compte du département du littoral, les statistiques se présentent comme suit. Dans le littoral, nous avons 14 993 candidats répartis sur 17 centres de composition. Parmi les 17 centres de composition, nous avons un centre spécifique dédié aux candidats à besoins spécifiques. En gros, ce sont les statistiques du littoral. À l'instar du Collège d'enseignement général de Dantokpa, les premières épreuves ont démarré sans anicroche au Collège d'enseignement général de Sorou-Léré et de Bégamin, parcouru ce matin par la délégation préfectorale.